Je suis Anne-Marie Tiani, je suis chercheure au CIFOR et je coordonne le projet COBAM. Il n'y a que sur le mimbété, le reste des espèces de poissons sont... Cette synergie entre adaptation et atténuation que nous sommes en train de prôner et qui vient des décisions au niveau international, n'est pas encore connue, n'est pas encore appliquée. Nous voulons mener des projets pilotes qui pour voir dans quelle mesure, dans quelles conditions, la synergie entre adaptation et mitigation et atténuation peut marcher sur le terrain. Il est question de voir dans quelle mesure les décisions prises au niveau des politiques peuvent servir à la fois à l'adaptation et à l'atténuation. Ou alors, au niveau des activités, des projets pilotes, nous sommes en train de vouloir expérimenter les activités qui servent en même temps l'adaptation et l'atténuation. Le Koulé, comme la plupart des régions en RDC, a subi beaucoup de déforestation et aussi les impacts du changement climatique peuvent être vus. They observe it and they don't know what to do with it. They just get poorer and poorer. And because they're so close to their ecosystems for their livelihood, at the time the ecosystem is perturbated, it has an immediate impact on them, on their everyday life. Like, dad comes back and there is no fish on the table tonight. Depuis une dizaine de jours, nous sommes à Loukoulela. Depuis ce temps-là, nous avons écouté d'abord. Il était question de travailler avec les différents acteurs pour comprendre d'abord comment ils vivent les perturbations climatiques, comment les perturbations climatiques influencent leurs activités, leur santé, toute leur vie. Et ensuite, quelles sont les réponses qu'ils opposent à ces perturbations climatiques et comment ensemble, en tant que communauté, comment est-ce qu'ils veulent, quelles sont les solutions qu'ils préconisent par rapport à cela. Et nous, on est là pour les accompagner dans la recherche de ces solutions. De cet atelier, ils ont décidé qu'ils veulent planter les arbres. Ils ont dit, nous voulons planter les arbres, nous voulons avoir une ceinture verte autour de Loukoulela. CIFOR COBAM project comes as a seed with lots of potential. And we're really happy that we are working on results with the community and we involve the community from the beginning. And that's a philosophy that we really like. La vision que j'ai, c'est passer à Loukoulela dans 10 ans et voir une ville toute verte et l'arrière, la ceinture de, comme on dit, la ceinture verte, donc une ville modèle, comme il dit, une belle ville. Mama, when the moon is mama, when the